Et moi? Pourquoi tu m'y touches pas? Laisse-moi découvrir ton travail, tu veux? Pourquoi? T'as peur que je t'ai dépassé? Ah, non, mais que tu m'aies copié, peut-être. On dit que tu vas mal, mais quand je vois la quantité de travail. Tu veux pas voir? Non. Je préfère toucher d'abord. Tu me donnes vraiment envie de ruer dans les brancards. J'ai l'impression d'avoir amené un huissier chez moi. Ah non, tu ne peux pas là. Comment peux-tu réduire ce que nous avons vécu à cette image-là? Tu me représentes comme un pantin désarticulé entre deux femmes. Mais cette caricature est Et ignoble. alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais je voudrais que tu fasses ce que je dis. Voilà ce que je voudrais que tu Tu veux que fasses. je fasse autre chose que ce que je fais? J'entends suivre mon chemin à moi, j'ai acquis ce droit. Mais si ton chemin te donne le droit de me ridiculiser ou de me détruire, tu dois y renoncer. Quelles que soient tes idées, tu dois me les soumettre. Il n'y a aucune comparaison entre toi et moi. Quoi? Aucune. Tu es un sculpteur de troisième Oh, mais ordre. tu t'attaques drôlement violemment à un sculpteur de troisième ordre. Mais tout vient de moi, rien de toi. Tu te bats trop avec ta sculpture. Tu peux m'expliquer pourquoi t'es si jaloux? Moi, jaloux. Mais je sculpte la vie, moi. Moi, je donne tort pas, je ne donne pas tort à la mort. Je cherche, toi, tu cherches la douleur. Tu fabriques la douleur. Tu te représentes comme une victime, mais c'est toi qui es Mais parti. C'est toi qui m'as c'était quitté. impossible de vivre avec toi. Mais écoute, Camille. Ce que nous avons fait ensemble, c'était bien. Moi, j'ai toujours. Mais tout le travail que j'ai fait pour toi était bien. Mademoiselle Claudel, l'élève de Rodin. Mademoiselle Claudel, fée du Rodin. Mademoiselle Claudel, ramasse les miettes du maître pour les fourrer dans sa sculpture. Mais c'est ça que t'as laissé faire. C'est ça que t'as laissé dire. Finalement, t'es ma pire Mais ennemie. tu m'as tout volé. Tout. Ma jeunesse, mon travail, tout. Ah, tu m'accuses d'avoir gâché ta vie. Mais j'aurais préféré ne jamais te rencontrer. J'aurais préféré être dans un asile, là où t'aimerais bien me mettre d'ailleurs. Tu es complètement saoul. Il paraît que tu bois maintenant, on dit que tu bois partout. Et alors? Si j'arrêtais de boire, tout le monde verrait que c'est toi. Et tout le monde dirait que c'est toi qui m'as mise dans un état pareil. Alors que tout le monde pense que je suis dans cet état parce que je bois, donc laisse-les croire que je bois. Camille, je suis un sculpteur professionnel reconnu, je te Mais ça veut soutiens. dire quoi? Professionnel? Ça veut dire diriger trois ateliers pour cumuler les commandes? Ça veut dire jouer le jeu social au lieu de mettre la main à la pâte? Parce que tes ouvriers, tu les coltines au travail, mais tu mets seulement la touche finale à tes marbres. Et moi, en tant qu'artiste, tu t'étonnes que je refuse ce système? Tu t'étonnes? Oh, ça suffit comme ça, arrête! T'es ridicule. Je t'ai rencontré, tu étais la femme la plus sexuellement désirable dans ce monde. Toi, sculpteur, toi qui as caressé mon ventre nu, t'as même pas pu voir ce qui avait changé. Mais si j'avais su que tu étais enceinte, Camille, je t'aurais épousée. Mais pendant des années, t'as jamais voulu choisir, jamais rien décider. Je n'ai jamais aimé que toi. Je pouvais pas te partager. C'était un combat pour moi. T'es trompé, c'est fini. Des complaintes sentimentales, j'en peux plus. Au moment de mourir, tu hésiteras encore?